Bonjour à tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Je suis ravie de vous retrouver pour la présentation de l'oracle Jane Austen, assez peu de temps après vous avoir présenté le tarot Jane Austen. Et donc il vient de sortir, que j'avais vu passer et qui m'avait plu. Directement, ben déjà de par son sujet, puis la boîte, je la trouve très jolie, comme ça, toute fleurie. Et puis, j'ai vu que c'était également Lumineuse qui avait réalisé cet oracle. Donc, Lumineuse qui a aussi fait cet oracle, l'oracle de l'Agartha, que vous avez déjà pu voir sur ma chaîne. Donc, si vous le désirez, la présentation est en ligne sur ma chaîne. Et pour le coup, ce sont deux thèmes très, 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 très différents. Et ça m'a vraiment intriguée que Lumineuse ait fait un oracle sur Jane Austen. Ça ne m'a pas du tout étonnée qu'elle ait fait un oracle sur l'Agartha, parce que c'est une personne qui canalise énormément d'énergie, qu'elle soit du cosmos, de l'intra-terre, enfin, du monde visible et invisible, on va dire, presque de tout l'univers. Donc ce n'est pas étonnant. C'est une personne qui a une capacité aussi de se relier au passé, à l'avenir. Enfin, donc ce n'est pas étonnant. Par contre, l'oracle Jane Austen, je me suis dit, ah, tiens, c'est intéressant, je voudrais voir ce qu'elle a pu en faire. Et donc, il a fait partie de mon gros craquage d'achat. Il est donc aux éditions Hachette, donc Hachette et Rose apparemment. Et donc, il a été créé par Lumineuse et illustré par Sandrine Fourier. Et quand j'ai vu le dos de la boîte, voici l'oracle parfait pour trouver en soi les grains de folie de Marianne Dashwood ou pour écouter son Elisabeth Bennett intérieure. Je me suis dit que ça devait être chouette parce que c'était basé sur les romans de Jane Austen que je ne connais pas, mais que ça va peut-être m'inciter à les lire. Je ne sais pas, mais j'ai trouvé de toute façon que l'idée était assez originale. Bon, alors, je ne sais pas ce que j'ai fait avec la boîte, je n'arrivais plus à l'ouvrir. Voilà, donc l'intérieur, on a un beau rouge assez profond ou rose rouge, alors que ici on a un beau rose un peu ancien. Donc on a un livret assez fin, mais néanmoins vous voyez il y a tout ce qu'il faut, parce que Lumineuse, elle va droit au but. Vous n'aurez jamais des grands discours. C'est quelqu'un qui a des capacités de médiumnité exceptionnelles. Et qui les met en pratique dans sa vie quotidienne et qui justement nous donne les clés pour le faire. Donc elle ne fait jamais des longs discours, lui, hein. Elle met ça en pratique au quotidien. Donc voici l'intérieur de la boîte de l'autre côté. Voici le dos. Donc le dos des cartes est quand même très sympa. Un fleuri comme ça, un imprimé fleuri, c'est très très joli. On a des tranches dorées et on a des cartes de taille oracle habituelle. Alors on va regarder le petit livret, je vais mettre les cartes plus loin parce que ça va me gêner. Donc nous avons un sommaire, notice de tirage et puis nous avons les cartes. Je vous dis, Lulu, elle ne fait pas de blabla inutile. Donc, avant le tirage, et puis elle vous parle tirage d'une carte unique.
tirage de trois cartes, confidence nocturne, le message surprise, donc ça c'est les cartes qui sautent ou qui se retournent, et puis on passe aux cartes. Donc on a le titre de la carte, on a la représentation en plus petit et en couleur, on a une petite phrase qui est reprise sur les cartes, qui est ici sur le bandeau en couleur, et puis on a un développement du message, et on a chaque fois l'inspiration d'où est venue la carte. Et donc on a ça pour toutes les cartes. Et c'est plutôt celui-ci, un oracle pour faire, on va dire, presque de la divination, mais de la divination aussi sous forme de guidance, si vous voulez. Ce n'est pas limité à juste de la prédiction, mais on peut en faire avec cet oracle. Et c'est ça tout le côté intéressant de Lulu. Elle est à la fois extrêmement perché et extrêmement reliée à une vraie spiritualité vécue. Et à la fois, elle est ancrée dans le quotidien et peut concevoir un outil qui va nous aider justement à voir un petit peu ce qui pourrait bien se passer dans notre journée pour nous prévenir quelque part. Donc voilà, il date de 2023, il est tout récent. Et puis ben là, on a les infos pratiques. Et donc le nom de Lulumineuse, c'est Lucile Houssin. Donc, on va évidemment maintenant regarder les cartes. Alors, je vais rebaisser de nouveau un petit peu. Voilà. Donc, la petite voix de la paix. Le jeu des apparences. Une amie bien intentionnée. Un nouvel angle de vue. Donc les illustrations, elles sont sympas. Elles font vraiment un petit peu, elles nous plongent dans l'époque des romans de Jane Austen. Et c'est léger, c'est rafraîchissant. L'imagination en action. L'art de s'observer. J'en ai pas deux. À fleur de peau. Donc, j'en profite pour vous dire que la qualité est très bonne, les cartes sont épaisses, malgré tout relativement souples pour ne pas que ça pose un problème. Mais c'est pour ça que j'hésitais de savoir si j'en avais deux, parce que regardez, on a quand même une très très belle épaisseur de cartes. Alors, une loyauté mal récompensée. Une relation toxique. Se laisser surprendre. Le meilleur de l'autre est en moi. Le chemin de la prudence. L'influence des autres. Changement de direction. Trouvez la force en vous. Confiez-vous. Cueillir la quiétude. Apaiser son courroux. Rosine Spark. Vous voyez pas toute la carte en fait. Je ne me place pas bien. La lettre. Votre fort intérieur.
jardin ou forêt. J'aime beaucoup la phrase qui est en dessous. L'engagement ne vous prive pas de votre liberté. Ce n'est pas parce qu'on a un jardin qu'on est empêché d'aller en forêt. Est-ce vraiment un privilège? Sentiment de solitude. La chambre de l'Est. Vertu et opinion. Ah, et des fois, j'hésite tellement les cartes sont épaisses. Alors, Tom Bertram. Timide et inaccessible. Double jeu. La beauté d'un ciel de nuit. C'est vraiment chouette. Domaine de Pemberley. La mèche de cheveux. La demande en mariage. Le bal. Le secret. Le bout de crayon. Londres. Printemps. Été, automne ou hiver. La bonne fortune. Le refus. Voilà, c'est la dernière carte puisque c'est un oracle qui comporte 40 cartes. Alors, je le trouve vraiment très chouette. Je pense qu'il a plusieurs niveaux de lecture. Je pense que on a le titre qui nous donne un premier niveau, que parfois déjà le petit message ici nous emmène plus loin ou sur une autre piste. Je pense qu'on peut trouver aussi des indices dans l'illustration, et donc on peut très bien, par exemple, l'utiliser pour juste un petit peu savoir ce qui va se passer, puisque, par exemple, vous pouvez avoir changement de direction, vous pouvez avoir même Ozingrosse Park, la lettre, des cartes comme ça, jardin ou forêt, même. Sentiment de solitude, double jeu, la beauté d'un ciel de nuit ou domaine de Pemberley. Comme vous voyez ici, un nouveau foyer vous attend et vous y trouverez le bonheur. Mais en même temps, je pense que par exemple, quand vous avez la carte, je vais essayer de la retrouver. Voilà, la demande en mariage. Donc je pense qu'il y a vraiment beaucoup de niveaux de lecture dans cette carte. Bon, déjà, ça peut être concrètement une demande en mariage. Et vous avez l'illustration qui le confirme. On sait très bien que dans un oracle général, la demande en mariage peut être aussi une proposition de contrat de travail, d'association, ça peut être une nouvelle étape dans une amitié, ça peut être aussi, sans être une demande en mariage, un couple qui décide de vivre ensemble, ça peut prendre pas mal de formes selon le domaine et la vie de la personne à ce moment-là.
Mais vous voyez, la petite phrase en dessous nous permet d'aller encore plus loin puisqu'elle nous dit une occasion d'évoluer s'offre à vous. Et là, on se dit, ça peut même être dans le domaine spirituel. Voilà, si vous vous posez une question sur où vous en êtes dans votre chemin, et sans penser à un domaine précis, eh bien, ça peut, par exemple, pouvoir dire une occasion d'évoluer s'offre à vous. Et ça n'a rien à voir avec une demande en mariage. Mais vous voyez, j'aime bien les oracles qui nous proposent quelque chose que l'on peut vraiment élargir selon le contexte et selon les questions. Parce que sinon, il y a vraiment des oracles qui sont extrêmement limitants et pour lesquels vous n'allez rien comprendre à votre tirage. Parce que si vous avez une carte qui ne sort, qui ne concerne pas, par exemple, le domaine de votre question, vous allez vous dire, mais j'y comprends rien. Je lui pose des questions sur mon travail, sur mon emploi, et le jeu me répond, par exemple, demande en mariage. Voilà. Il dit, je comprends rien. Sauf qu'ici, déjà sur la carte, on vous dit une occasion d'évoluer s'offre à vous. Et donc là, on se dit, ah, c'est que je vais avoir une opportunité de changer. Alors après, il faut creuser pour savoir si c'est dans la même entreprise ou dans le même domaine ou pas, ou un changement. Mais ça peut se voir avec d'autres cartes. Mais moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce genre de jeu qui permet des lectures très variées et qui ne sont pas limitées et pour lesquelles on n'a pas cette impression d'avoir toujours les mêmes réponses à toutes les questions. Voilà pour la présentation de cet oracle Jane Austen que je suis vraiment ravie d'avoir acheté, même si c'était un achat, comme je vous l'ai dit, compensatoire. Mais néanmoins pas compulsif puisque je n'ai quand même acheté que des jeux que je sais qui vont me plaire et que je vais pouvoir utiliser. N'hésitez pas à liker, à commenter, à me dire ce que vous en avez pensé, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye. Thank you.